qui a le plus d'amis noirs, Omar ou Fred? Ah, c'est moi. Oh là là, attention. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Oui, moi j'ai du mal. Vous allez me laisser des messages. Bonjour, vous êtes bien sur le portable de Laurent Ruquier. Si vous avez un jeu de mots, laissez-moi un message. Bip. Monsieur et Madame Tendo, dans le placard, parce que t'as trop joué, ont une fille. Comment s'appelle cette fille? Mélanie. Mélanie. Pourquoi? Mélanie Tendo dans le placard, parce que t'as trop joué. Ouais. C'est un vice à prendre des quatre, bonjour. Salut Omar, c'est Rocco, ça va? Ça va et toi? Putain, ça va, donf! C'est m'arrivé une histoire de malade mental, j'arrive à peine maintenant de Cannes, je suis venu en bateau d'Italie. Oui. Ah putain, j'étais comme ça, tu sais, sur le devant du bateau, et d'un coup comme ça, je parlais à une ragazza, j'étais en train de la tchatcher. Qu'est-ce que je vois pas? Je dis, oh regarde là-bas, il y a les dauphins et tout, ils me suivaient le bateau. Et je m'approche, je vois, oh putain, un poisson énorme, magnifique, qui nageait au milieu des dauphins. Je m'approche, je vois pas. Qu'est-ce que c'était? Ma bite! Ma bite à nager avec les dauphins, man! Somptueuse! Somptueuse, ma bite! Qui perd ses cheveux, Omar ou Fred? Marc-Olivier Fogiel. Elle est bonne, celle-là! Qui a l'ego le plus dimensionné, Omar ou Fred? Marc-Olivier Fogiel. Qui est le plus capricieux des deux, Omar ou Fred? Marc-Olivier Fogiel. Bon. Ah, bonjour, vous êtes bien sur le portable de Dieudonné. Si c'est pour la vérité, si je mens trois, laissez-moi un message, bip. À mon avis, il faut parler en codé parce qu'on est sur écoute. Oui. Allô, Dieudo? Oui, Dieudo. Bon, là, on est... Donc voilà, tout pour te dire que... Le loup est dans la bergerie. Bloqué les gars, sur ma... je peux plus avancer là. Ah, on a un problème technique. Ouais. Faut me décaler peut-être de... Non, ou alors on bouge la voiture. Bouger la voiture, je pense. Parce que j'ai été plus simple. Attendez, toute l'équipe va m'aider, on va décaler... Non, reste. On va bloquer là-haut. On va t'en sortir, Fred. Oh, on va vous aider, toi. On va bouger la voiture, allez, tous avec moi. Allez, on va... Venez m'aider. Mais là, vous voyez bien qu'il est bloqué. Venez m'aider, que quelqu'un me porte. Venez la sécu, là, tout le monde. Mets-moi là. Allez, tous avec moi. 1, 2, 3. Encore. Ça y est, ça y est. C'est encore, bon. Encore, encore. 1, 2, 3. Voilà. C'est pas... Ça va, ouais. Est-ce que comme tous les comiques, vous prenez des trucs pour être drôle? Personnellement, je prends mon temps. Ouais. Moi, je prends du Droliprane. Du Droliprane. C'est bien, hein. Service après-vente, bonjour. Oui, Carla Bruni serait enceinte. Non, c'est une rumeur, ça. Oui, parce qu'il est né depuis longtemps déjà, le gamin, là. Mais qui ça? Le petit, là, qui lui tient la main. Hein? Mais si, qu'elle a des grosses lunettes et une grosse montre. Quoi? Avec des chaussures orthopédiques. Oh, putain. Oh, toi, tu vas avoir des problèmes, toi. Mais je parle de son fils, hein. Ouais, c'est ça, si bien sûr. Non. Je parle de son fils. Non, 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 tu vas avoir des gros problèmes, non, toi. Non, non, très gros problèmes. Qui picole trop, Omar ou Fred? Ça, c'est Michel Piccoli. C'est obligé. C'est obligé que le jeu de mots s'impose. Ouais, non, c'est important des petits jeux de mots, des fois, dans des émissions. Bien sûr. Ça fait toujours un petit peu marrer. C'est un simple. Un petit jeu de mots, c'est toujours... Bonjour, vous êtes bien sur le portable de Florent Pagny. Si c'est pour un conseil fiscal, laissez-moi un message, bip. Oui, bonjour, Florent. C'est Johnny Hallyday. Dis donc, au lieu d'aller en Patagonie, t'aurais dû aller en Belgique, c'est plus près. Service à prendre, bonjour. Oui, le cerveau est l'organe le plus complexe dans le corps. Oui. Eh ben moi, non. Moi, mon organe à moi qui est complexe, c'est les pieds. Parce que moi, je suis con comme mes pieds. Est-ce que, comme tous les comiques, vous souffrez du manque de considération de la profession et un jour, vous avez niqué tout le monde avec un César? Personnellement, je ne niquerai pas la profession et vous la connaissez, Thierry. Hein, vaut mieux pas la niquer, je pense. Ouais. Ou au moins avec des protections. Non mais pour l'instant, nous... Ah tiens, Omar, quand je taperai dans mes mains, tu feras Benjamin Castaldi. Si vous voulez que Félicien se batte à main nue contre un grizzly, tapez 1. Par contre, si vous voulez que Leslie se fasse prendre par le grizzly, tapez 2. Ouais. Service après-vente de Cannes, bonjour. Ouais, il est arrivé à Cannes. Qui ça? Georges Clooney. Service après-vente, bonjour. Oui, Georges Clooney, de nouveau célibataire? Oui. Moi aussi. Quel meilleur gagne?
Bonjour, vous êtes bien sur le portable de George Bush, je sais, c'est incroyable, mais laissez-moi un message, bip. Oui, c'est incroyable parce que je t'appelle de ma tombe, c'est Martin Luther King. J'ai Gandhi avec moi et quand tu vas venir dans l'au-delà, nous on a arrêté les actions non violentes, on va défoncer ta gueule. Voilà. Qui a déjà voulu tout arrêter, Omar ou Fred ? Zinedine Zidane. C'est vrai. Bonsoir et bienvenue dans notre émission Ça se discute pas. Notre invité du jour s'appelle Jean-Claude, marié, 47 ans. Présentez-vous, Jean-Claude. Jean-Claude, marié, 47 ans. Jean-Claude, le débat du jour est faut-il garder les routes ? Alors, Jean-Claude, faut-il garder les routes ? Votre avis ? Oui. C'est complètement con, oui, il faut les garder. Ok, Jean-Claude, c'est votre position. Est-ce que vous pouvez développer un petit peu plus, quand même ? Étayer. Votre question, là, faut-il enlever les routes ? Ça mène à rien. Alors, ok, Jean-Claude, le débat mène à rien. Et les routes, elles mènent à tout ? C'est ça ? Mais vous êtes... Il y a des gens qui vous regardent, hein, faut faire attention. Je vous sens un peu agressif. Mais non, je suis pas agressif. Ça se discute pas, point, quoi. Ok, Jean-Claude, alors ouais, ça non, se discute pas, ça veut dire qu'on ne discute jamais entre nous et qu'on peut faire tout et n'importe quoi. Mais non, mais c'est-à-dire qu'on peut aller tuer quelqu'un. Mais et poser on ne des questions rien, intéressantes, les gens, ils veulent savoir des trucs intéressants. Faut-il garder les routes ? C'est complètement con. Écoute, ce que tu vas faire, les routes, tu les prends, tu les enlèves, tu les remets quand tu veux, tu fais ce que tu veux avec les routes. Ok, Jean-Claude, les routes, on les prend, on les enlève, on les remet. Les routes, c'est des habits ? Au prochain mot, Jean-Claude, il se lève et il te pète la gueule. Ok, Jean-Claude. J'ai l'impression que vous êtes un petit peu à bout de nerfs, vous êtes énervé. Et pourtant, on n'a pas résolu notre problème, faut-il ou non garder les routes, Jean-Claude ? Votre avis ? Vous n'êtes pas bien, ça va pas, quoi. Alors moi, je ne suis pas bien et vous êtes bien, Jean-Claude ? Stop, non, c'est bon. Ok, Jean-Claude. Non, il n'y a pas d'ok, Jean-Claude, il n'est pas ok, oui. Jean-Claude, avec ton débat de merde. Il n'y a pas d'ok, Jean-Claude, tu arrêtes. Non, ok, Jean-Claude. Non, stop. Vous avez dit stop. Merde, vous oui, avez dit foutre. J'ai dit foutre. Les routes, c'est un film pornographique. Oui, bah oui, si tu veux. Qui est le plus heureux dans la vie, Omar ou Fred ? C'est moi. Oui. Parce que je joue dans Nos Jours Heureux qui sort le 28 juin, à une comédie. Très bien, oui, la double promo. Bien joué. Tu connais la télé. La triple promo. Tu vois, j'ai Service après-vente, bonjour. Bonjour, vous me reconnaissez ? Non, vous êtes qui ? Bleu, blanc, rouge, je suis François le Français. Bleu, blanc, rouge, François le Français. Excuse-moi, voilà. François. Hein? Je peux te poser une question ? Oui. Est-ce que tu es majorette ? Non, je suis pédée. Qui est les plus belles gonzesses, Omar ou Fred ? C'est Omar parce qu'il en a deux magnifiques. Ouais, ah, c'est un petit peu la séquence ouais. Émotion, ouais. C'est vrai. Et je te l'ai jamais dit, non, mais putain, tes filles, c'est les plus belles. Ah, vraiment. Ça me fait plaisir. Elles sont comment ? Elles sont belles. Ouais. Et elles s'appellent comment ? C'est lui. Non, un peu noir. Je sais pas, non. Moitié.